Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Vous avez donc deviné avec cette musique, aujourd'hui nous allons parler écouteurs Bluetooth très spécial venant droit d'une autre planète. On va donc découvrir ensemble ces écouteurs. Mais avant ça, je vais vous parler du dernier concours qu'on avait fait sur la chaîne Vision Hightech. Et je félicite Sweetie Jolie pour avoir gagné la caméra, la IMU, celle que j'avais présentée et que j'avais mis en concours sur la chaîne Vision Hightech. Sweetie Jolie, félicitations, c'est toi qui as gagné cette magnifique caméra de surveillance. D'ailleurs Sweetie, je t'envoie tout de suite un message, c'est parti. Je l'envoie, tu devrais le recevoir et je devrais recevoir une notification. Et voilà, c'est déjà fait. Sweetie, bravo, t'as gagné donc cette caméra sur Vision Hightech. J'espère que ce cadeau de Vision Hightech te plaira. Il fera donc un très beau cadeau de Noël. Et j'espère que cette caméra surveillera ta maison correctement. Voilà, donc félicitations encore à Sweetie Jolie, l'abonné qui vient de gagner le dernier concours sur Vision Hightech. Et en parlant de concours, alors les amis, pour participer donc à ce concours pour gagner ces magnifiques écouteurs, les GT1, il faudra donc mettre un petit like sous la vidéo et mettre le commentaire avec les deux mots-clés que vous allez retrouver dans la vidéo. Alors bon courage à tous, bonne chance à tous et surtout abonnez-vous. Si on parlait de la société XA qui m'a donc envoyé sa dernière paire d'écouteurs Bluetooth 5.0 GT1, une paire d'écouteurs qui vraiment mérite d'exister pour les gamers, avec une option spéciale gamer. Vous allez voir que dans cette vidéo, ces écouteurs sont vraiment très bons. Je vous ai fait le test audio. Et les amis, cette paire d'écouteurs gaming va être mise en jeu pour Noël. Et oui, sur Vision Hightech, ça se passe comme ça. La chaîne, on lâche un cadeau, on remet un cadeau en jeu. C'est normal, vous êtes les meilleurs abonnés. Donc surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, venez nous rejoindre sur Vision Hightech. On s'éclate, on offre des cadeaux, on like, on partage les vidéos. C'est que du bonheur. On va donc parler des XA, EKSA, les SG1. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est super important, puisque si vous ne cliquez pas sur cette cloche, eh bien lorsque Vision Hightech sort une vidéo, vous n'aurez pas donc la petite notification qui dit que vous allez pouvoir gagner un cadeau sur Vision Hightech. Allez, on part tout de suite sur le petit déballage des SG1. Très bizarre et vraiment très curieuse de par leur forme et de par leur spécificité. C'est parti donc pour la vidéo sur Vision Hightech. Bienvenue sur Vision Hightech. Alors j'espère que ce nouveau cadeau va vous plaire et attention, écoutez bien toute la vidéo car pour cette vidéo et pour ce cadeau, je vous demanderai de mettre deux mots-clés en description bien spécifiques qui seront par-ci par-là dans la vidéo. Donc restez bien connectés sur la vidéo jusqu'au bout pour me mettre les deux mots-clés en description. Allez, c'est parti pour le déballage de cette magnifique boîte des écouteurs Bluetooth de la marque XA. Et tout en bas, on peut s'apercevoir que ce sont les GT1. Alors, qu'est-ce que ces écouteurs ont de gamer, ont de gaming? C'est déjà leur apparence. Vous allez voir qu'ils ont une forme très spéciale avec de la luminosité. Puisqu'on parle d'écouteurs gaming, on aura donc des écouteurs très spéciaux de par leur forme et de par leur éclairage. Vous allez voir, c'est vraiment ultra sympa, ultra design, avoir ces écouteurs dans ses oreilles. Alors ce sont des intra-auriculaires, vous allez donc avoir un son à l'intérieur de ces écouteurs vraiment magnifique. Qu'est-ce que cherchent les gamers? C'est d'avoir un design très spécial. Lorsqu'on parle de gaming, bien sûr, on parle de claviers spéciaux, on parle d'écrans spéciaux, on parle de casques. Et là, on a une paire d'écouteurs vraiment très spéciale par rapport déjà au temps de latence. 38 millisecondes pour avoir un retour sonore jeu vraiment exceptionnel. En plus d'avoir cette petite latence au niveau donc du son, vous allez avoir vraiment un look très spécial. Déjà, on peut s'apercevoir qu'au niveau de la boîte, on a vraiment un package très quali, très sympa, de par le logo qui est donc en façade, un superbe logo que l'on va retrouver à partir
du boîtier de recharge de ces écouteurs. Vous allez pouvoir aussi, avec ces écouteurs Bluetooth, passer des appels téléphoniques, du Skype, du FaceTime, enfin tout ce que vous voulez faire avec de l'audio, les XA GT1. Sur la boîte, on a donc un logo XA violet métallisé, vraiment très bien fait. On a donc ici sur le bas la marque, donc les GT1, qui est c'est donc un logo qui est mis en relief, que je vous mets ici en très gros. Le produit brillant en fond mat. On a donc un package très premium. On sent déjà qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de très sympa. À l'arrière de la boîte, on va donc retrouver l'intégralité des spécificités de ces écouteurs. Et sur le côté droit, on peut toucher. On a là aussi le produit en effet brillant. C'est vraiment un package ultra design. On va donc ouvrir cette boîte. Ces écouteurs seront en Bluetooth 5.0 avec une capacité de batterie de 50 mAh par oreillette. Et on aura dans le boîtier une batterie de 500 mAh pour recharger donc nos magnifiques écouteurs Bluetooth GT1 de chez EXA. On ouvre la boîte, c'est parti. On est donc sur une boîte tiroir, on pousse. Et on aura accès à cette boîte qui, là aussi, ils ont fait un gros effort. Le devant est un devant aimanté. Alors, le constructeur nous annonce 30 heures d'autonomie, mais en fait, ces 30 heures sont comprises avec le boîtier de charge. Avec les oreillettes, vous allez tenir à peu près 3 heures et le boîtier pourra recharger jusqu'à 10 fois, ce qui fait les 30 heures d'autonomie de ces écouteurs. On a donc sur le dessus de la boîte, allez, on ouvre tout de suite ce boîtier, c'est parti. Voilà donc ce magnifique package. Regardez, je vous mets en gros ce magnifique boîtier à la manière du logo de Superman. On a vraiment un très très beau boîtier. Il est ultra sympa, ultra designé. On a vraiment quelque chose de magnifique. À l'arrière de ce boîtier, on va retrouver donc la connectique. La connectique, bien sûr, sera une connectique de type C. Et sur les côtés, vous allez voir qu'on va retrouver des petites LED en bleu qui vont clignoter lorsqu'on recharge le boîtier. Et regardez, si je vous le mets comme ça en face de votre écran, on dirait une tête de Roswell. On a vraiment un très bel effet avec ce boîtier qui est vraiment génial. Le petit cordon, comme je vous ai dit, de type C vers USB-A pour recharger le boîtier. Au fond de cette boîte, on va donc retrouver la petite notice pour faire fonctionner ces écouteurs Bluetooth 5.0, les GT1. Voilà, donc maintenant, je vais mettre ces petits écouteurs dans mes oreilles et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, comme je vous ai dit, ce petit boîtier de recharge ressemble de face comme ça, il ressemble à une petite tête de Roswell ou carrément, il pourrait ressembler au logo de Superman qu'il porte sur son torse. C'est plutôt sympa. Alors, ces écouteurs Bluetooth, ce sont des écouteurs tactiles. On va donc ouvrir le petit boîtier et regardez-moi la classe de ces écouteurs. De l'intérieur de ce boîtier, on dirait des yeux de Roswell et les écouteurs sont vraiment très 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 classe. Alors les amis, le premier mot à me mettre en description, c'est Roswell. Mettez-moi Roswell en description pour que je puisse déjà dans un premier temps prendre en compte votre commentaire. Alors regardez ces écouteurs comme ils sont magnifiques. Ce sont donc des écouteurs intra-auriculaires tactiles avec le dessus qui va s'éclairer à la mode de Roswell. On a vraiment de très beaux écouteurs Bluetooth 5.0, les GT1, avec un dessus ici comme on peut s'apercevoir tactile. Avec des petits yeux, comme vous pouvez voir, sur chaque oreillette, ça fait vraiment un look très très sympa à voir sur ses oreilles. Alors, le boîtier sera aimanté lorsque vous allez remettre les écouteurs dans leur boîtier, ils vont être automatiquement aspirés par l'aimant. Alors, on peut remarquer lorsque le boîtier est fermé, on a donc de chaque côté des petites lumières, des petites LED bleues qui sont éclairées. Et ces LED bleues seront exactement éclairées de la même façon lorsqu'on branchera donc le boîtier. Dès qu'on ouvre, les écouteurs s'illuminent et ils font chacun la petite tête
comme un petit martien, un petit Roswell. C'est vraiment très sympa à voir. Franchement, celui qui va gagner ses écouteurs va être super heureux de porter ça à ses oreilles. Voilà, donc ici, je vous fais un fichier audio fait avec les écouteurs, les GT1 de chez EXA. Actuellement, donc, j'enregistre avec les écouteurs. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau du son. D'ailleurs, pour le deuxième mot-clé qu'il faudra me mettre en description, vous me mettrez donc le mot-clé écouteur. Et comme cela, j'aurai donc les deux mots-clés. Je répète pour les deux mots-clés, Roswell et écouteur. Je choisirai donc le commentaire qui possédera ces deux mots-clés. Et bien sûr, je prendrai contact avec l'abonné pour lui envoyer les écouteurs. Que pensez-vous déjà de ces écouteurs? Dites-moi ça en commentaire. Côté son, franchement, c'est vraiment génial. Voilà donc au niveau de la tenue, ce que ça peut faire sur chaque oreille. Alors, elles sont très légères, très sympas. La petite tige qui sort du micro n'est pas très très longue, comme vous pouvez vous apercevoir. Et l'appairage se fera très simplement. Avec une petite synthèse vocale à l'intérieur de ces écouteurs, vous vous dirigez sur réglage et dans Bluetooth. Réglage. Bluetooth. Activé. Une fois dans Bluetooth, vous allez tout en bas, vous recherchez les écouteurs qui s'appellent. Et comme ces appareils s'appellent donc les GT1, vous allez les retrouver dans vos paramètres Bluetooth en tant que GT1, bouton. GT1. On le valide. GT1, connexion en cours. Connected. Et maintenant, j'ai tout simplement mon iPhone en Bluetooth. Je peux, si je le désire, par le biais d'un tap, lancer la musique. Alors, je peux vous dire qu'il y a un son magnifique en termes de basse, de médium. Tout est bien équilibré. En termes de jeu, c'est vraiment le top aussi. Alors, si je lance une vidéo YouTube, en faisant simplement un tap, je mets en pause la lecture de ma vidéo et je la relance en faisant un tap sur mon écouteur droit. Voilà, donc, c'est tout simple. On a vraiment des possibilités très sympas. Le son est vraiment très bon. Si on veut déclencher donc le mode gaming, ces écouteurs sont tactiles, alors vous aurez une certaine gestuelle à maîtriser sur ces écouteurs. Je vais essayer de vous faire écouter lorsqu'on lance le niveau game mode. Vous allez voir, c'est très sympa à entendre. Music mode. Alors là, on s'est mis en music mode. Et si je tape trois fois rapidement sur mon écouteur droit, on se met donc en game mode. Ce qui veut dire que là, vous allez avoir 38 millisecondes de latence lorsque vous serez sur des jeux. Et lorsque vous les repassez en mode musique, vous faites donc un triple tap sur l'écouteur droit. Et vous vous mettez en music mode. Alors, question tenue. Alors, on va pouvoir jouer, s'exciter comme un malade. Franchement, ça va être le top. On va pouvoir gueuler, on va pouvoir vraiment devenir fou devant son jeu préféré. On va pouvoir secouer la tête et franchement, les écouteurs restent parfaitement en place. Le top du top pour ces écouteurs. Franchement, je leur donne un bon 8 sur 10 au niveau son, au niveau tenue, au niveau du tactile, au niveau de leur apparence. On est vraiment sur une paire d'écouteurs vraiment ultra gaming. J'espère que ce concours sur Vision High Tech vous plaît. Encore une fois, un petit cadeau pour Noël à un de mes abonnés préférés. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce. C'est super important pour le référencement de la chaîne. Je compte sur vous. Pensez au petit concours des GT1. Mettez-moi donc les deux petits mots-clés Roswell et écouteurs pour gagner ce magnifique boîtier. Regardez ici que je vous mets. Pour gagner ce magnifique boîtier ici, regardez, on dirait vraiment la petite tête de E.T., l'extraterrestre, super cool. De superbes écouteurs avec un son magnifique, vous n'allez pas être déçus. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech, la chaîne qui partage avec ses abonnés. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous, portez-vous bien et joyeuses fêtes à tous. Et joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Merci à vous d'être présents pour moi et à bientôt. Salut à tous !